c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup d'émotions pour ce match. Toute la semaine, voilà, on voulait bien faire et c'est vrai que les 10 premières minutes ont été compliquées, mais après on a réussi à mettre notre jeu en place, et voilà, repasser au score à la mi-temps et surtout après les tenir à distance avec les pénalités de loin, de Flo et une autre, je crois, de, je sais plus qui c'est qui la met, mais en tout cas c'est vrai que voilà, la seconde période a été un peu plus. On a pu gérer la seconde période parce que c'est vrai que la première période, on avait fait le taf un peu. Parce que les 10 premières minutes ont été compliquées pour nous, on a engrangé quand même quelques points, etc. On a beaucoup subi, on a raté des plaquages, on a été beaucoup pénalisés. C'est ce qui nous a rendu le match un peu plus difficile. Après, on a su se remettre dans le bain, on a percé énormément. Je pense qu'on les a mis à mal très souvent dans la partie. Ça, c'est un point positif. Après. Après, ça ne fait pas tout. On a vu que voilà, bah, faudra être plus précis à la fin parce qu'on quand même aura quelques actions d'essai et plus tard, ça va payer. Donc, si on arrive à se focaliser sur ça, sur les derniers gestes, sur les dernières passes, etc., on sera meilleur. Une fois le coup de l'émotion passé et la fébrilité laissée de côté, j'ai eu la sensation que les 25 dernières minutes de la première mi-temps nous ont vraiment mis dans le match et on était dominant sur tous nos duels, on les breakait assez aisément et régulièrement. Maintenant, notre ratio de conversion reste toujours un peu limite pour vraiment prendre le large, puisqu'il nous faut 3-4 occasions pour marquer une fois. Et malheureusement, il faudra qu'on soit un peu plus pertinent sur des matchs au couteau. Vous savez que contre Clermont, il fallait faire la guerre dans les rucks et c'est vrai que toute la semaine, on a travaillé ces situations-là, c'est les moments de ruck, les moments de contre-ruck aussi. Donc voilà, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé pour nous. Après, ça aurait pu vraiment basculer. Voilà, comme je te dis, on prend, je crois, 8-0 à un moment donné. Et bon, voilà, on peut aussi laisser partir le match, nous on avait besoin de points en plus, donc c'est un contexte particulier aujourd'hui. Il faut continuer comme ça, il faut continuer avec cet état d'esprit, je pense que c'est très positif depuis un certain moment. Il faut garder cette forme aussi, parce qu'on a vu que là on avait quand même du gaz et qu'on a réussi à les breaker souvent. Donc ouais, on va continuer à travailler sereinement et avec beaucoup d'humilité et on verra comment ça va se passer plus tard. Le premier objectif est atteint. Maintenant, je pense que les... Je pense qu'à moins qu'il y ait un accident ce soir, la dernière journée va rebattre les cartes dans pas mal de situations. Donc on verra où on finira, on verra l'intérêt du dernier match du championnat. Et puis dans tous les cas, nous on se prépare à être une équipe difficile à manœuvrer. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous dira, mais voilà, il y a de très très bonnes équipes au-dessus de nous qui ont fait des saisons remarquables. Maintenant, on verra notre fin de saison qui nous permettra surtout d'être jugés réellement.